Salut à tous, c'est Gentlefun. Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale par rapport à un commentaire que j'avais lu sur le forum français. Donc pas de gameplay malheureusement pour certains, mais continuez à regarder la vidéo, je pense que ça va vous intéresser. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une map. Donc ça va être, pour la première, ça va être Goldville Noir, parce que c'est la première qui est tombée quand j'étais avec Fly en salle d'entraînement. Donc je vais vous présenter un peu comment vous déployer sur cette map. Certains ont des fois du mal à savoir où partir, quelles opportunités saisir, et comment gérer les emplacements que vous pouvez avoir sur une map. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez surtout pas à commenter, me dire votre ressenti sur le format, sur les indications que je peux vous donner, les spots aussi que je peux vous donner. Et donc avant tout, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc à tout de suite pour cette petite vidéo qui va être un peu longue, je pense. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir? Premièrement, les points de départ, les spawns des deux équipes. Donc l'un est au sud-ouest et l'autre est au nord-est. Donc la map est assez équilibrée, donc vous voyez sur la map qui s'affichait devant vous, vous n'aurez pas de souci de prise de position stratégique de la part de l'équipe ennemie et qui donnera un certain avantage pour leur équipe, comme on peut retrouver par exemple sur mine. Qu'est-ce qu'il faut savoir également? Tout d'abord, n'allez pas dans la ville. C'est un piège, c'est une position qui est basse, c'est une position qui est exposée. Donc vraiment, sauf déséquilibre total du matchmaking avec beaucoup de lourds dans votre équipe. Quand je dis beaucoup, c'est 7 lourds. N'allez pas en ville. Donc vous avez vu sur la petite map, donc la partie rouge, n'y allez surtout pas. C'est vraiment le casse-pipe assuré. Si vous avez une équipe en face qui est un minimum compétente. Donc ensuite, la deuxième partie que je vous déconseille d'utiliser tout d'abord, mais en début de game, je dis bien en début de game, c'est la partie, l'espèce de goulot d'étranglement au milieu de la map, tout simplement parce que, encore une fois, vous êtes en position basse. Et vous pouvez vous faire facilement allumer depuis la ville si de petits plaisantins ont eu l'idée d'y aller, et facilement vous faire flanquer par les personnes qui seront passées par le haut de la map. Donc ensuite, on va passer aux positions que j'affectionne assez particulièrement en médium. Donc vous le voyez, ça s'affiche. Tout d'abord, il y a les positions au niveau de la grotte, vous verrez ça un peu plus en détail sur la petite vidéo qui va suivre. Et une position que mon pote Kurdi affectionne tout particulièrement, c'est la position au niveau du rocher sous la grotte, tout simplement parce que ça permet de spotter l'équipe ennemie assez efficacement quand vous spawnez du sud-ouest. Ensuite, on va passer au médium de l'équipe d'en face. Donc vous voyez, les positions sont relativement similaires. Vous pouvez faire le spot au niveau du rocher, pareil de côté. Et au niveau des positions hautes, vous voyez, c'est quasiment les mêmes que ce que vous pouvez avoir de l'autre quand vous spottez au sud-ouest. Ensuite, on va passer au heavy. Pour moi, il y a deux positions qui sont indispensables. Vous voyez donc la première position en C1 qui permet de faire du hold down assez efficace et bloquer tous les chars qui pourraient être dans la grotte. Et la position B1, pareil, qui permet de bloquer la grotte mais qui reste un poil exposé parce qu'il faut faire du peek-à-boue assez efficacement, même si vous êtes un peu en hold down.
Au niveau de l'équipe verte, la position en A2 est sympa, pardon, parce que vous pouvez tenir les chars qui se déploieraient en bas de la grotte et vous restez en holdout, donc ça permet d'avoir un point de fixation assez intéressant et contrer les TD qui pourraient camper au niveau de C2. Et ensuite, vous avez en A3 la position classique holdout qui permet de contrer les chars qui arriveraient depuis la grotte. On va passer maintenant au TD, position holdout comme je vous ai dit en A3 pour les spawns nord-est. Ensuite, au niveau des petits bâtiments, des petites maisons, il y a des coins assez sympas pour faire du picabo, surtout en hauteur quand vous avez des rechargements assez longs. Je pense notamment au T30 et au FV215B183, même T110E4, enfin tous les TD qui ont un chargement à peu près, on va dire, 16 secondes et plus. En face, vous avez les positions de holdout en C1 et C2 qui permettent, si vous avez une tourelle assez résistante type T30 et pourquoi pas T110E4, d'avoir une position assez sympa, d'apporter votre puissance de feu en soutien contre des médiums ou des heavy. Et ensuite, une position un peu plus reculée en D2 qui permet de faire du picabou pour les chars qui sont un peu fragiles mais qui ont un gros alpha. Je pense au 215B183. Ça peut être assez intéressant. Ça vous permet d'avoir un angle de tir sur une bonne partie de la map entre A1 et C3. Donc ensuite, on va passer au déploiement de l'équipe que je qualifierais d'optimal, on va dire optimal en équipe en random, pardon. Vous voyez une concentration de la puissance de feu, on va dire, sur la grotte et des positions de spot et de soutien qui sont assez intéressantes. Donc on va passer maintenant à la petite vidéo que j'ai réalisée en salle d'entraînement avec Fly pour vous montrer un peu plus en détail les positions que vous pouvez adopter, utiliser en début de game. Et ensuite, les positions que vous pouvez utiliser au fur et à mesure que la game se développe. Donc on a essayé de penser à plus ou moins tous les cas de figure. J'espère que ça aura couvert un peu toutes les positions. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est toujours bon de partager les petits trucs et astuces. Une chose à rajouter, surtout ne capez pas sur cette map. Depuis qu'elle a été retravaillée, c'est strictement inutile. Les chars qui se trouvent en haut de la colline, à part un T95, auront largement le temps de descendre. Et de vous décaper assez facilement. Ça leur fera perdre, allez, on va dire 2 tanks, 3 tanks maximum, mais ça vous fera pas prendre l'ascendant au niveau stratégique. Donc on va passer maintenant tout de suite à la petite vidéo. Donc encore une fois, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Donc on va commencer totalement au hasard par le spawn sud-ouest. Donc vous voyez là avec Fly, on va se diriger un peu comme si on était en bataille réelle vers les points qu'on aime utiliser en début de game en tout cas. Donc moi j'ai pris le STB1 tout simplement parce que c'est mon char le plus rapide. Donc là vous voyez première position de holdout qui permet de contrôler, vous voyez, la grotte sans pour autant exposer sa caisse et juste sa tourelle, ce qui permet d'avoir une position assez sympa. Vous voyez à droite Fly qui s'est déployé sur le côté dans la position que j'appellerais Kurdi parce que c'est un peu sa position favorite. Donc là, vous pouvez faire un peu de picabou même si c'est un peu exposé à mon goût, il faut avoir un char un peu haut. Et là, vous voyez, pour faire du picabou, la deuxième position que je vous avais montré un peu plus tôt. Donc là, je ne le fais pas excessivement bien, mais vous voyez que ça permet d'avoir des shoots un peu sympas sur l'équipe ennemie. Ensuite, on va aller tout de suite au niveau de Fly qui a pris la position Kurdi. Donc là vous voyez, ça lui permet de spotter efficacement et de placer des tirs sur les chars qui sont un peu lents ou des joueurs qui seraient un peu loin à la détente qui n'auraient pas spoté de ce côté là. Donc là vous voyez Fly qui peut servir des deux côtés du rocher pour spotter et placer des tirs sur les cibles qui se présenteraient. Ensuite, donc moi je vais passer à la troisième position que je vous ai montré pour les meds.
Là, vous voyez, vous êtes en hold down à droite de mon char, ce qui permet d'avoir des shoots assez sympas sur les chars qui seraient un peu frileux pour monter à la grotte ou qui se positionnent en soutien. Donc, c'est tout pour les médiums. Donc, maintenant, on va faire le déploiement comme si c'était dans une vraie bataille. Donc, là, vous voyez, je passe d'une position à une autre. Là, encore une fois, c'est du hold down, ce qui permet d'avancer, mettre un peu plus de pression sur l'équipe ennemie. Dans le cas où l'équipe camperait au niveau des bâtiments, bah, vous voyez, vous avez une petite position de picabou qui est assez sympa. Et dans le cas où l'ennemi se serait déployé en ville, et ben là, vous allez avoir des positions assez sympas. Donc là, vous voyez Fly qui a une position de spot sur la cape. Il n'est pas forcément obligé de tirer, ça lui permet de spotter passivement et donc de donner des cibles à son équipe. Ensuite, vous avez de l'autre côté, ça marche aussi bien des deux côtés. Moi, j'ai une petite position que j'aime beaucoup pour les chars qui seraient un peu retardataires au niveau de la ville, c'est celle-ci. Si vous avez des optiques ou des binos, ça vous permet de spotter des chars qui se situeraient au niveau des hangars. Donc là, il y a une position que vous pouvez utiliser aussi, mais qui est un peu plus dangereuse, c'est au niveau, donc vous voyez des petits containers qui se situent juste devant, ça vous permet de spotter aussi. Je vous déconseille de tirer, j'ai pas encore, enfin j'ai pas mis le télémètre pour savoir la distance jusqu'au bâtiment, mais c'est un peu, on va dire c'est un peu tricky. Donc ensuite, vous avez Fly qui descend à une petite position de spot absolument à faire uniquement passivement. Parce que vous voyez, vous êtes exposé sur la gauche et vous êtes exposé un peu sur la droite. Donc si vous le faites, il faut un char avec un camo assez sympa et à tout prix ne pas tirer. Donc là, vous voyez moi qui fais une fly. Deuxième, une autre position pour les chars qui ont une bonne tourelle, c'est celle-ci qui permet d'avoir une position de hold down sur des chars qui seraient terrés en ville. Et qui essaierait de faire du picabou. Donc là, ça vous permet de contrôler la position à gauche. Attention tout de même, si jamais vous vous faites rusher, sachez que vous êtes dans un trou, donc ça va être un peu compliqué à votre, pour votre équipe de pouvoir vous soutenir efficacement. Autre position assez sympa de fly, vous avez vu à gauche, et moi je vais prendre celle de droite qui permet de contrôler la droite de la ville. Donc là, vous voyez toujours hold down, donc Fly et moi en hold down et qui permettent de contrôler la cap et la ville. Donc, quand je vous dis ne pas caper sur cette map, c'est que vous voyez là, vous avez aucun moyen de, eh bien de vous protéger. Ensuite, une autre position que j'affectionne, mais là, il faut énormément de dépression, donc je pense au moins 9 degrés, 10 degrés. Ça passe avec le STB1, c'est celle-ci. Ça vous permet d'avoir des shoots sur les chars un peu hauts qui seraient à l'autre bout de la map, qui seraient spotés par vos alliés, et ça vous permet d'avoir des shoots par exemple sur un E100 qui se situerait au niveau des hangars en face. Donc je suis pas certain que Fly ait un shoot, je me rappelle plus exactement s'il en a. Ensuite, on a fait le cas pour lequel il faudrait attaquer sur les derniers chars par exemple de la ville. Ensuite, une position qui est plutôt sympa pour contrôler la cap, attention quand même, vous êtes exposé sur la droite quand même, donc c'est celle-ci avec le petit buisson à gauche et le petit buisson à droite. Là, vous avez des shoots sur la cap et sur la gauche du silo, on va dire silo nucléaire, je ne sais pas ce que c'est exactement. Bon, les shoots sont pas forcément très faciles à avoir, mais ça vous permet d'avoir quand même quelques angles. Là, vous voyez, vous êtes quand même exposé par rapport à la droite. Une autre position qu'a pris Fly, mais il faut un peu de dépression, c'est celle que vous voyez juste ici avec la petite descente qui permet d'être caché et d'être en hold-down. Il est assez compliqué avec les chars russes à utiliser, mais là vous voyez vraiment, vous avez, quand vous avez de la dépression, vous avez une très bonne visibilité sur la cape et vous êtes relativement safe par rapport aux chars qui pourraient vous tirer dessus. Attention tout de même, sur la droite vous êtes encore une fois exposé. Donc on va passer ensuite à la position suivante, une position que
que je qualifierais d'assez agressive et assez compliquée à utiliser dans le sens où vous êtes sur un bord de map. C'est du win or lose, du tu ou être tué. Si jamais vous êtes bloqué sur cette position, vous allez vite être pris à défaut. Donc là on revoit Fly qui utilise le camo et le buisson. Donc là il recule pour pouvoir avoir le buisson qui n'est pas transparent. Si vous avez un peu de... Hop. Autant pour moi, donc la petite position était au niveau de la droite, vous la verrez dans l'autre partie. Donc cette fois-ci, on va commencer par la position nord-est, donc classiquement même char, même combat. On va prendre les positions qu'on affectionne, comme d'habitude. Fly va passer au centre et moi je vais passer sur la première position que j'affectionne, qui permet d'être dans un hold-down assez safe. Là vous voyez, seule votre tour elle dépasse et ça vous permet de passer des tirs assez sympas sur les chars qui seraient un peu trop agressifs. Fly qui a un peu moins de dépression s'est mis sur la gauche, c'est beaucoup plus exposé, mais c'est quand même assez intéressant. Donc on va passer tout de suite à la deuxième position qui se retrouve juste à ma gauche. Là vous voyez la petite butte, ça vous permet d'avoir des shoots assez sympas. Ensuite Fly, vous avez vu, s'est mis sur la troisième position qui me permet d'avoir des shoots sur la grotte et sur le bas. Donc c'est vraiment, on va dire, position miroir par rapport à aux positions précédentes. La position que j'ai prise est vraiment exposée, je ne vous la conseille pas trop, à part si vous avez un char extrêmement bien blindé pour faire du picabou. Donc là, vous voyez la position qu'utilisait Fly, c'est assez sympa, ça permet d'avoir des shoots un peu partout. C'est quand même un peu exposé, donc faites attention, les TD peuvent camper là où j'ai rien de tirer, peuvent camper sur la gauche, donc faites quand même attention, ne soyez pas trop agressif. Donc ensuite, deuxième position, à mesure que la game se développe, si vous gagnez du terrain, bah là, pique à bout parfait au niveau sur les TD, et ça marche aussi sur la droite. Encore une fois, avoir de la dépression peut aider, beaucoup. Donc là vous voyez que Fly galère un petit peu avec son canon, alors que moi ça passe assez facilement. Donc si vous avez nettoyé la grotte, ça vous permet de descendre, ou alors si jamais les chars ennemis sont passés en ville, vous pouvez backer tout simplement et réutiliser les positions que je vous ai montré précédemment. Là vous voyez Fly qui prend une position que je ne connaissais pas. Ça permet d'être en hold-down, en side-scraping et d'avoir des shoots assez sympas tout en spotant. Donc, petit secret de fabrique de Fly, dévoilé. Je vais me mettre à la place de l'ennemi, enfin de manière assez proche, pour vous montrer ce qu'il montre. Et là, il me montre du side-scraping et du hold-down quasi parfait. Donc là, si je veux shooter, c'est dans les tourelles ou à la gold dans les jeux de tourelles. Donc autant vous dire que c'est relativement compliqué, même avec un canon qui est assez précis. Donc là vous allez voir une position que j'aime bien si jamais des chars sont passés par le petit chemin du bas. Ça permet de les contrer assez efficacement et ça permet de spotter un peu toute l'équipe qui serait restée en ville. Donc c'est les deux buissons, comme d'habitude, les buissons c'est la vie. Si vous n'êtes pas spoté et que vous spottez, c'est parfait. Donc ensuite vous pouvez descendre comme d'habitude pour essayer de spotter l'ennemi. Si vous avez un char mobile, profitez-en pour faire du spot actif. Vous avez un premier buisson qui se trouve là sur la gauche, vous avez le deuxième buisson qui se retrouve encore sur ma gauche. Enfin, tous les buissons là peuvent être des positions de spot passif et de spot actif également si vous savez quand sortir pour placer un tir et quand votre camo est remis à zéro. Donc là vous voyez une petite position de down sur le char qui pourrait être à gauche, attention vous êtes exposé sur la droite. Donc on va vous remontrer un peu les positions que vous pouvez prendre pour spotter les chars en ville. Vous avez le petit buisson sur la gauche qui reste exposé, celui qui est encore sur ma gauche, et décidément il y a beaucoup de gauche.
Vous pouvez prendre cette position, la position de fly, si jamais les chars ont décidé, ennemis ont décidé de flanquer sur le côté, le bord de map. Donc ça vous permet de les contrer efficacement. Là, vous avez une position de picabou qui est assez sympa sur les chars de droite, qui se trouverait sur la droite avec un joli petit panneau, éviter de sauter, éviter de faire une fly donc. Vous avez des tirs sur la gauche également, vous êtes une cible assez compliquée à avoir, sachant qu'il y a des rochers en travers et des buissons, donc c'est pas forcément très facile pour l'ennemi de vous viser. Donc là, il est passé à ma droite, je ne sais pas si vous voyez sur la map, dans les positions, donc au niveau des tuyaux, ça peut passer même si c'est pas une position que j'affectionne. Et là, vous allez voir ce que je voulais vous montrer il y a quelques minutes. Donc, pour contrer les chars qui sont un peu trop agressifs, ben, c'est juste ici. Ça vous permet d'avoir un down assez sympa, d'avoir du picabou, d'avoir une vision sur la route qui se trouve juste devant Fly. Donc, position assez sympa. Mais comme je vous l'ai dit, si jamais vous vous faites rusher, vous pouvez vous trouver facilement dans une situation qui n'est pas forcément très tenable. Donc là, c'est la position qu'avait pris Fly, et là vous voyez encore un autre petit spot, mais encore une fois, si vous vous faites rusher, ne comptez pas trop sur votre équipe pour pouvoir vous soutenir efficacement. Donc encore une fois, duel d'un homme, du picabou. Cette map est assez agréable, elle permet pas mal de mobilité tout en ayant beaucoup de petits spots comme ça, de petites buttes de terre qui permettent du holdown assez efficace, du side scraping de manière on va dire limitée et surtout pas mal de picabou. Donc on va quand même vous montrer le déploiement que vous pouvez avoir en ville, même si je ne vous le conseille vraiment pas du tout. Donc si dans le cas où 6 tanks amis, iraient en ville, ben suivez-les, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas à vous diriger tout seul dans une direction. Donc la seule position valable que Fly et moi avons trouvé, c'est au niveau de ce pylône. Ça permet d'avoir du holdown et d'être relativement caché. Mais comme je vous l'ai dit, c'est la seule position c'est quand même très exposé. Vous ne pourrez pas faire grand chose, sachant que si jamais vous bougez à droite ou à gauche, vous vous ferez avoir assez facilement par les chars qui restent ennemis qui seraient restés en snipe. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce concept, ce format. Si jamais vous avez des observations sur des spots que j'aurais pas présentés, le format de la vidéo, la durée de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si vous trouvez ce concept totalement inutile, faites-le moi savoir également, parce que ça me prend quand même pas mal de temps à monter, et si jamais ça n'intéresse personne, je passerai sur des choses un peu plus sympas. Dites-moi également si jamais vous préférez, vous aimeriez avoir un petit gameplay juste après sur cette map, la map qui est étudiée, comme ça pour avoir une idée un peu plus concrète, je dirais, du déploiement que vous pourriez avoir. En tout cas, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo qui est un peu longue, je vous l'avoue, et je vous dis à bientôt.